Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 7h45, il est très tôt, je suis réveillée depuis 6h alors que j'étais couchée à 2h je crois, 1h30 ou 2h. Avant de vous raconter mon week-end, je vais commencer par la fin, je vais vous raconter mon dimanche soir. Hier, les titis étaient collés. Je ne voulais pas dans la merde. Enfin, surtout moi, je dois avouer. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment Cersei et Jamie, en vrai. Donc, ça serait étonnant maintenant que je ne me retrouve pas avec les petits. Il ne reste plus qu'à prier pour que ce soit des femelles et pas des mâles que je vais devoir faire castrer les deux. Bon, après, l'un dans l'autre, même si je dois faire castrer les deux, ça me reviendra à peu près au même prix que si je devais racheter une femelle. Hein, donc, enfin, les deux. Ça se trouve, il n'y en aura qu'un. Ou ça se trouve, il y en aura trois. C'est trois grand max, mais c'est très rare. En principe, c'est par deux. Voilà. Mais par contre, c'est violent, hein, leur partie de l'air. Wow. Donc, voilà. Je pense que la dame qui me les vend ne calcule pas le temps dans la poche. Je pense qu'elle compte la date de naissance une fois qu'il sort de la poche, mais comme il passe déjà 2 mois dans la poche, ça veut dire qu'ils ont déjà 8 mois et qu'ils sont en âge de se reproduire. Voilà. Donc, le pire, c'est qu'on a rendez-vous vendredi prochain chez le veto pour la castration. Bref, écoutez, on verra bien. Hein. Après, avec un peu de chance, il y en a un des deux qui est stérile. Ou alors, c'était juste une partie de jambes en l'air, je ne sais pas, on verra bien, enfin un peu de chance. Je suis mitigée parce que je me dis, bon, bah, comme ça je verrai des bébés, qu'ils soient consanguins, bon, bah, de toute façon je vais les garder, donc c'est pas pour revendre. Donc voilà, après il faut juste qu'ils soient en bonne santé, mais dans la nature, voilà quoi. Bref, donc voilà pour la bonne nouvelle du dimanche soir, enfin bonne, mauvaise, on sait pas trop, mais la nouvelle quoi. Voilà, voilà. Donc, vendredi, j'ai fait les vidéos des swatchs, des turbo-pigments que vous avez déjà eu. Je vous les remets en barre d'infos. Donc, les Glam Shop et les Constance Carole. J'ai changé mon piercing. Enfin, mes piercings. Ici, j'ai mis celui-là. C'est celui que je voulais... Attendez, je zoome un petit peu. Que je voulais mettre dès le départ. J'ai enfin réussi à le visser et j'ai acheté celui-là pour le toit, l'hélix. C'est une couronne. Voilà. Il était assez chiant à mettre celui-là parce qu'il faut d'abord mettre la couronne en fait autour du trou, puis après mettre la barre dans le trou de l'oreille et dans le trou de la boucle d'oreille. C'était assez chiant à mettre. Mais je l'ai mis, donc maintenant il n'est pas prêt de bouger celui-là. Parce que c'est vraiment très chiant. Hein. Mon chien se lève maintenant que je viens d'appuyer sur enregistrer. Le samedi, j'ai refait une commande Maki Beauty. En fait, j'ai recommandé des fards Constance Carole pour combler les trous, le trou qu'il y avait dans ma palette parce que voilà, ça le fait pas. Il y a un bruit chelou de grésillement. C'est mon café. Bonjour Mister Prout. Le chat se fait emmerder par une mouche. Lui, il m'a fait peur, il n'est pas rentré de la nuit de vendredi. Non, de samedi à dimanche. Et j'ai cru qu'il avait été se laisser mourir dans un coin. Mais du coup, il a dormi tout le dimanche. Donc, j'ai fait une commande Maki Beauty tôt le matin. J'ai commandé également tout pour faire un full face W7. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Donc là, j'ai profité. J'avais un code promo. J'avais 12 euros de réduction pour 60 euros d'achat. Donc, c'est pas négligeable. Voilà. Bon, après, j'ai 8 euros de frais de port quasi, mais voilà. Je vous referai une vidéo swatch des autres fards Constance Carole que j'ai commandé. Voilà. Et donc, les produits W7, je vous montrerai dans la vidéo full face que je vous ai prévu de toute façon pour vous pour vendredi. Voilà. Normalement, j'aurai eu ma commande et j'aurai eu le temps de. On est ça.
Ensuite, j'ai fait un montage et uploadé une vidéo en attendant ma belle-sœur, puisque mon mari et son frère ont été faire la tombe de leur grand-père maternel. Oui, ils ont perdu leurs trois grands-parents là en très peu de temps. Donc j'ai fait un montage et j'ai uploadé la vidéo en attendant. Ma belle-sœur a passé la matinée avec moi. Enfin, la matinée, ils sont rentrés à 4 h, je crois. Ouais, ils sont rentrés vers 4 h. Donc on a mangé ensemble, on a discuté, voilà, on s'entend bien, donc c'est le principal. Ensuite, moi je voulais aller chez Primark, mais c'était beaucoup trop tard pour y aller, hein, parce qu'on a quand même une heure de route. Et comme il était déjà 4 heures passées, le temps qu'on se prépare et tout, qu'on nous monte avec les bouchons et tout, même que ça fermait à 20 h, vu qu'on avait prévu d'aller au restaurant chinois après, si ça fait trop juste, on ira une fois passer la journée là-bas, enfin on y va le matin, on mange à midi sur place. Qu'on aille en France, en Belgique ou en Allemagne, je sais pas trop, mais voilà, il vaut mieux qu'on se prévoie un samedi à y aller comme ça, juste ça quoi. Donc du coup, on est passé vers les soldes à l'Hydrion, donc c'est un centre commercial en plein air avec plusieurs magasins, dont Creudvat. Ça fait très longtemps que j'avais pas été chez Creudvat, donc je vais vous montrer. Après, j'ai été chez Creudvat et chez Zeman. Je voulais passer chez Emma, mais finalement on n'a pas eu le temps parce que les hommes ont traîné au Vans Sport pour rhabiller un peu Georges et lui racheter des godasses. Moi j'ai attendu dehors parce que je ne supporte pas ce magasin. Bien que j'ai vu des Adidas que j'aimerais bien, mais je ne les ai pas prises tout de suite. Donc je pense que j'irai chercher mon prochain. C'est un peu comme les superstars, sauf que ce n'est pas des superstars et qu'elles sont à 34 euros. Voilà. Donc je vais vous montrer ça après. Le dimanche, bah donc hier pour moi, ça a été repos parce que en fait je voulais tourner la Cuisine des Papillons, mais tout le monde s'est levé tôt le matin. Enfin, Sam et Chéri se sont levés super tôt le matin. Donc c'était bruyant, donc j'ai pas filmé. Du coup j'en ai profité, j'ai fait un bricolage pour les titis bah, avec des trucs que j'ai achetés justement chez Zeman et de la couture. Je leur ai refait deux autres pochettes pour mettre dans leur Spoutnik du coup, puisque le Spoutnik ils veulent pas s'en enlever. Là ils sont dans la pochette suspendue que j'ai fait la dernière fois. Je les entends encore de temps en temps se battre, voilà. Mais je vous jure que c'est violent, hein, leur partie de jambes en l'air. Alors avant de vous montrer ce que j'ai acheté, je voudrais juste vous parler de la houppette Corazonna. Donc ça c'est la houppette Corazonna, ça c'est la Lindberg. Donc vous voyez, elle est plus petite, c'est bien ce qui me semblait, elle est beaucoup moins dodue aussi. Mais ça peut être une bonne alternative si vous voulez pas mettre le prix de la Lindberg, bien qu'elle soit que 13 euros. Hein. Donc c'est pas non plus une ruine. Je trouve pas mieux. Hein. Voilà. Mais elle est quand même moins souple, moins douce, moins dodue et moins grande. Donc je préfère toujours la Lindberg, mais c'est une bonne alternative. Voilà pour ça. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'abord chez Zeman. Alors, j'ai acheté deux fois les petites billes comme ça, avec des grelots pour les titis. Voilà, je leur en ai mis après leur jouet, que je vais vous montrer après parce qu'il y a un truc que je ne peux pas vous montrer, je leur ai déjà mis. 99 centimes. 5 billes à l'intérieur de plusieurs tailles. C'est très bien. Chérie leur a trouvé ça. Il faut que je trouve comment les accrocher, mais je pense que je vais juste les accrocher avec un fil, un câble, je ne sais pas, et leur mettre pendre tous un en-dessus de l'autre. Je pense que ça pourrait les amuser, mais je vais pas faire ça tout de suite parce qu'ils ont simplement plus de place dans la cage. Et je me suis pris deux tops, donc ils sont longs, mais c'est des débardeurs, quoi. Léopard. Donc j'ai pris un kaki, je les ai payés 2 euros pièce. J'ai pris un kaki comme ça, j'adore la couleur. Et un plus rouille, orangé rouille comme ça, corail foncé, je ne sais pas trop. Voilà, à 2 euros à la place de 3 euros ou 99, j'ai pris en 36. Ça m'a l'air un peu large quand même pour du 36, mais ça devrait aller. Donc, j'étais bien contente de mes petits achats. J'ai pas pris grand-chose. Hein. Et j'ai pris des anneaux en bois, des gros anneaux en bois. J'en ai mis un dans la cage des chichous pour qu'ils s'amusent à le rogner parce que c'était du bois naturel. Et j'en ai mis trois pour un bricolage que je leur ai fait. Faut juste que je pense à vous montrer juste après. Alors chez Creudvat, j'ai un peu plus abusé. Je vais mettre le sac à côté de moi. Alors,
qui n'étaient pas soldés, j'ai d'abord pris des pansements à îlot central. Donc ça, c'est des très gros pansements. Mais quand j'ai des furoncles, hein, voilà, puisque j'ai la maladie de Verneuil, donc ça cause des furoncles, c'est vraiment pratique parce que ça tient bien. Et là, c'était 3,89 € les 5. Donc j'en ai repris parce que j'en avais plus du tout. Bien que ça fasse longtemps que j'ai pas eu un gros bouffon qui s'en fait. Qui n'était pas soldé non plus, j'ai pris des vitamines. Donc j'ai pris les My Energy de chez Creutzwaht à 7,99 €. Qui sont en forme de petits pingouins. Donc ça contient de la vitamine B3, B12 pour un regain d'énergie en cas de fatigue. Donc là la forme des gummies et là la taille des gummies. C'est au goût de je ne sais plus, c'est écrit dessus. Attendez, attendez, attendez. Contient de la vitamine B6 et B8 et de l'iode qui contribuent à un bon fonctionnement du métabolisme énergétique. La B3 et B12 contribuent à diminuer la fatigue. B5 et C contribuent à diminuer la fatigue. Et l'épuisement, ces gommes ont un délicieux goût de framboise. Donc, si vous ne connaissez pas le principe des flacons Creutzwaht, vous avez tous les détails ici. Donc, dedans, il y a de la B3, B5, B6, B8, B12, la vitamine C, du ginseng. Ils disent que normalement, il faut prendre 2 gummies par jour. Moi, je vais en prendre qu'une parce que sinon, je vais saturer. J'ai encore les collagènes. J'oublie de prendre les 3/4 du temps de chez Révolution. Je vais en goûter une. Hein. Je ne les avais pas encore ouvertes. Hein. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Ça sent bon. Non, tu ne vas pas focus ici. La texture est chelou. C'est un peu comme celle pour les cheveux. Mais du coup, ça mange plus vite que les gummies Révolution qui sont très chiqueuses. Et j'ai pris les My Nights donc pour m'aider à dormir un peu la nuit, parce que j'aime bien dormir la journée, mais contient de l'extrait de passiflore qui est bon pour le sommeil, bien sûr. Goût de myrtille. Alors, je vous montre le packaging. Et ils sont en forme de petites étoiles. Et pour le détail, puisqu'ils disent passiflore, mais il n'y a pas que de la passiflore. Hein. Il y a de la mélatonine, de la camomille, enfin de l'extrait de camomille. Extrait de passiflore et extrait de mélisse. Donc c'est tous des produits naturels qui aident à dormir. La mélatonine aide à s'endormir. Donc je testerai ça ce soir, hein, parce que je ne vais pas en prendre un maintenant, bien évidemment. Alors, mon homme, quand il a vu les 2 pots de vitamines, il m'a dit, toi, ce soir, t'as envie de ken. Parce que j'ai pris My Energy pour My Night. Voilà les feintes que monsieur nous fait en plein milieu d'un magasin. Voilà. Je vous jure, sinon. Donc voilà, j'ai 3 gummies à prendre par jour. C'est duré. Alors, en solde, j'ai pris des petits. Ah non, c'était pas soldé ça. J'ai pris des petits stylos comme ça, style Stabilo. 1,99 € les 12. J'adore ce genre de feutre pour écrire dans mes petits carnets et tout ça. Donc voilà, je suis très contente. Et le reste, c'est de la boutique. Et c'est en solde. Alors, j'en ai pris 2, je vous en manque un parce que. De chez Trickle Moon, j'ai pris le marshmallow, au parfum de marshmallow, et oh my god. Donc c'est des flacons de 500 ml, hein, et j'adore Trickle Moon, chez Creutzwaht il y en a souvent. Oh, j'adore. Donc j'en ai pris 2, ils étaient à 2,99 €, moins 50%. Attends, je vérifie sur l'autre, mais il me semble, ouais. Donc ici c'était le prix, moins les 50%. Donc, hein, je vais vous dire, pour le prix que je les ai payés, je suis bien contente. Alors, j'en ai pris 2 ou 3 ici? Oui, j'en ai pris 2 parce que j'en ai pris une pour moi et une pour vous. Pour un mettre de côté pour un futur concours, hein, parce que je ne vais pas tout vous mettre dans le prochain.
C'est une poudre que j'aime beaucoup, c'est la Poreless Perfection Powder Universal Shade. Donc pareil, 4,99€ et moins 50%. De toute façon, tout ce que j'ai pris, là, c'est à du 50%. Donc j'en ai pris une pour moi et une pour vous. Pour moi, j'ai repris les fossiles Mulan de chez Essence qui étaient à 2,99€, donc toujours moins 50%. Voilà, j'adore ces fossiles, je les trouve très beaux. Donc, pour vous, j'ai pris les Jasmine. Voilà, donc ça ira aussi de côté pour un futur concours. Et je vous ai pris également le mascara I Love Extreme de chez Essence, Jasmine aussi, qui était à 2,79€, moins 50%. Donc je vous mettrai tout ça de côté. Il reste des peaux bébé. Alors, attendez, bon, il ne reste plus grand chose. Hein. Je me suis repris la Face Mix et le Good Stuff à la pastèque. Donc pareil, 2,99€, moins 50%. Je me suis dit, à ce prix-là, reprends-la. Vu que j'ai plus de brume hydratante. À part, il me reste la essence Ariel. Mais elle est un peu plus huileuse. Donc je préfère la garder pour la nuit. Donc ça, je vais l'utiliser tout fouette. Enfin, tout fouette. J'ai pris la Goodbye Pore Long Lasting Soft Focus Effect de chez Catrice, 4,99€, moins 50%. Alors, base lissante, que crée visuellement un teint plus uni et impeccable, flou de pore et ridule, à utiliser seul ou sous le maquillage pour affiner longue durée. Voilà, testé dermatologiquement. J'ai pris la Skin Lovin' Sensitive Primer nourrissant et hydratant, non comédogène, avec de l'aloe vera, sans parfum, sans alcool, sans silicone, sans parabène, sans minéral, sans souci. 3,89€, moins 50%. Et je me suis pris deux mascaras, donc le Glamendal False Lashes, c'est le Bell en fait, de la collection Bell, donc c'est un repackaging hein, tout simplement. Voilà, je vous montre la brosse, je vous montre pas celui du Love Extreme, mais bon, je suppose que vous connaissez. Donc c'est une un peu courbée comme ça, en picot. Donc je testerai ça. Et le Essence Bolt Volume Mascara 24 heures. Mascara volume nourrissant et durable de 24 heures pour un résultat expressif. Avec des ingrédients à base de plantes comme la cire de riz, graines de chanvre, huile de jojoba et amande, ainsi que de la vitamine E. Moi je voyais volume écrit dessus. Faut que je teste. Et voilà la brosse, donc c'est toujours du picot. Je commence à apprécier les brosses en picot comme ça de silicone. Donc voilà, deux mascaras de plus, deux bases à tester. Voilà. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà pour mes petites soldes chez Crottvatt et chez Zeman. Voilà. Je vais vous montrer le joujou que j'ai fait pour les titis. Et puis je ferai mon teint, j'irai filmer, parce que comme j'ai pas pu filmer hier, j'ai pris du retard. Et voilà. Normalement, je devrais recevoir aujourd'hui ou demain la roue, parce que l'autre m'a dit qu'il me l'avait envoyé jeudi. Donc normalement, il faut compter grand max 48 heures pour un colis qui vient de France. Donc si jamais je la reçois, je vous reprendrai pour vous montrer l'installation. Et je ferai certainement un TikTok quand ils seront dedans. S'ils vont dedans, hein, si je les vois. De toute façon, aujourd'hui, ils sont pas encore levés. Donc, voilà pour ça. Donc, je vais vite vous montrer le joujou que je leur ai fait. Et on se retrouve soit après que le facteur soit passé, soit demain. Donc, voilà ce que je leur ai fait. C'est ça, les anneaux en bois que j'aurais acheté. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Hein, mais c'est pas évident puisque la cage est en deux parties. Donc, j'ai mis avec des chaînes pour la tenir au-dessus. Des chaînes comme ça, puis j'ai mis des grelots. J'ai mis ici un premier anneau qui tient les deux autres en balancelle. Donc, attendez, je vais vous mettre en système de poulie. Ils n'ont presque pas mangé cette nuit. Il ne faut pas se demander les cochons, c'était qui en fait.
Vous voyez, là j'ai remis, bah, j'ai mis les petits trucs fleurs là de chez Chine, j'ai remis une bouboule et en fait ça c'est une poulie. Voilà, donc ça monte et ça descend. Et voilà, faut juste que je la bouge parce que j'ai pas accès à leur nid là, ils dorment là pour l'instant, hein. Ils sont là-dedans. Que j'aurais fait. Et l'autre que j'ai faite hier, c'est celle-là. Donc je suis plutôt fière aussi. Peut-être ouvrir pour vous montrer, ça sera mieux. Donc voilà, j'aurais fait une comme ça avec les housses que j'avais eues dans la cage des chichous. Bon, pour l'instant, ils vont pas dedans, mais alors, je sais pas si vous allez les voir. Je sais pas si on les voit. Coco, coco. Je vais dire bonjour à maman. Bonjour. Bonjour. Non, ils n'ont pas envie. Bonjour. Coucou. J'espère qu'ils sont décollés quand même, hein. Je vais vérifier un peu parce que je les ai pas vus hier soir, enfin dans la nuit ce qu'ils faisaient, donc voilà. Bon, allez, moi je vais aller me préparer et faire ce que j'ai à faire. Elle pense qu'il joue alors qu'il l'attaque. Allez, Lilou, laissez tranquille, tu les excites là. Ils sont déjà pas calmes. Oh, le gros plan tout le matin, comme ça, on va éviter. Donc, il est 8h10. Ah, les chichous sont déchaînés et les autres, ils râlent. Je vous ai pas pris hier. Alors, chose très rare depuis que je vlog. Je crois que ça m'était jamais arrivé. Je suis en train de regarder Lilou, donc retour écran. Allez, Lilou, va te coucher. Lilou, va te coucher. Laissez-les tranquille. Je vous ai pas repris hier parce que bah, j'ai tourné la cuisine des papillons. Assez tard d'ailleurs. Je pensais tourner plus tôt, mais eux sont allés plus tôt que d'habitude. Donc je me suis occupé d'eux. Ça, c'est Luna. Ensuite, Enzo est rentré, donc on va attendre que le tracteur avance. Enzo est rentré, donc on a beaucoup discuté, voilà, parce que ça faisait quelques jours qu'on s'était pas vu. Donc du coup, je vous ai pas pris, parce qu'après, bah, j'étais crevé, parce que je dors très mal la nuit en ce moment, et je dors très peu la nuit. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai commencé les vitamines que je vous ai montrées dans ma partie du hall creux de vatte. Enfin, partie du vlog avec le hall creux de vatte, on va y arriver. Donc je vous ai pas repris hier, enfin je vous ai pas pris tout court hier. Aujourd'hui je reçois ma commande, ma première commande Shein, il me semble. Je sais pas pourquoi j'ai commandé le même jour et je les reçois pas en même temps. L'autre a pas l'air de bouger beaucoup. Donc je vous reprendrai quand le facteur sera passé. J'espère recevoir cette foutue roue. Parce que s'il l'a vraiment envoyé jeudi, j'aurais dû l'avoir largement le lundi. Donc on est quand même mercredi. Là, je vais attendre fin de semaine. Si fin de semaine j'ai rien, lundi j'ouvre un litige PayPal parce que bon, ça fait quand même plus d'un mois maintenant. Ça commence à être un peu long pour un délai d'une semaine de livraison, hein. Alors il m'a dit qu'il faisait ça en tant que professionnel, enfin déclaré du moins. Mais qu'il avait retrouvé un autre boulot, donc il était souvent en déplacement et tout ça. Mais bon, alors à ce moment-là, tu donnes pas de délai, ou un délai plus long, ou tu respectes les délais que tu donnes, quoi. Parce que j'étais très fier de moi de pouvoir le payer plus tôt, que fin du mois de juin. Et on est juillet bien entamé et j'ai toujours rien, quoi. Donc, à un moment, faut pas déconner. Donc, hier, j'ai donc tourné la cuisine des papillons et le soir, j'ai fait une commande totalement improbable. J'ai commandé des blattes pour faire l'élevage de blattes pour les titis. J'ai horreur des blattes, hein. Mais
C'est l'insecte le plus bénéfique pour eux, ratio calcium, protéines, phosphore. Donc voilà. Donc j'ai commandé 60 blattes. Parce que ça met du temps, hein, avant que le cycle de reproduction se fasse, ça met quand même un peu de temps, ça peut aller jusqu'à 8 mois. Donc je me suis dit comme ça, s'il y a des pas trop grosses, je peux déjà leur en donner une ou deux de temps en temps. Le reste, il faut un bac en plastique, des cartons d'œufs, de l'eau et de la litière que j'utilise pour les chichous, ça ira très bien, ou de la terre, j'en ai plein le jardin. Et en alimentation, c'est des fruits et légumes et de temps en temps quelques croquettes pour chien ou chat. Donc j'ai ce qu'il faut. Ça ne me coûtera rien à l'entretien plus que d'habitude, hein, sauf que je consommerai un petit peu plus de litière. Sinon le reste, bah, je leur mettrai les fruits et légumes de leur reste à eux du matin. Et voilà, donc ça va vraiment rien me coûter. Donc ça me fera les insectes gratos. Enfin gratos. Une fois que j'aurai des petits. C'est les plus faciles aussi pour l'élevage parce que ils s'occupent des bébés en fait. Ils les bouffent pas. Tandis que les vers de farine, les criquets et tout ça. Bah les criquets déjà sont cannibales, ils se mangent les uns les autres, et c'est les seuls qui ne sentent rien aussi, et qu'il suffit de mettre dans un bac en plastique, puisque j'ai pris des blattes d'Umbia, donc c'est les seuls qui savent pas grimper, je postionne, sur des parois en plastique, en verre, et tout ça. Donc voilà, il faut juste un bac en plastique que vous trouvez les grosses caisses de rangement, là, que vous trouvez partout. J'en ai une, donc j'utiliserai celle-là, je mettrai les jouets des titis dans un carton. Donc, à part l'achat des blattes, ça ne m'a absolument rien coûté. Et là, j'ai trouvé les... voilà, attendez, je vais prendre mon mail. Par 10 blattes, c'était 3,46 €. Alors, je pouvais en acheter 100 d'un coup, mais c'était 32 €. Donc, ratio quantité-prix, ça revenait au même. Mais je me suis dit 50, c'est déjà pas mal pour commencer, même si je ne vais pas leur en donner tout de suite. Par contre, j'ai pris 200 grammes de verre de farine aussi. Parce qu'ils étaient à 1,82 € les 100 grammes. Genre, je paye 3,50 € en moyenne les 50 grammes et 4 € et des cacahuètes les 100 grammes. Ça dépend dans quelle animalerie je vais. Donc là, pour 3,64 € j'ai 200 grammes, quoi. Voilà, j'ai le double de ce que je paye d'habitude. Livraison 8,20 €, ça c'est un peu cher, surtout qu'ils livrent qu'en France et en Belgique, donc je trouve ça un peu chéro. J'avais un code de réduction. Alors le site, attendez, je vous le donne. Je vous mettrai en barre d'infos pour ceux qui ont des reptiles, puisque j'ai un truc de reptile de base. C'est hobbyreptile.com. En fait, si vous partagez trois trucs sur Facebook, vous avez un bon de 5%. Alors c'est pas énorme, mais j'ai gagné 1,05 €. Écoutez, hein, il n'y a pas de petits sous. Ça me fait la livraison à 7,15 € à la place de 8,20 €, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de petites économies, comme disait mon grand-père. Après, c'est gratuit, la livraison est gratuite au-dessus de 150 €, je crois, donc il faut déjà y aller. Après, ils vendent des serpents, enfin des animaux quand même, des reptiles, hein, donc ça peut aller vite si vous achetez un ou deux serpents, mais voilà, je ne recommanderais pas les vers après par chez eux, parce que 8,20 € de frais de livraison, pour 3,64 € de vers, je vais les acheter en animalerie, ça me coûtera moins cher. Mais voilà, j'ai trouvé ça, et je me suis dit pour débuter l'élevage de blattes, c'est pas mal. Il y avait aussi les blattes Red Runner, mais c'est des plus basiques. C'est des qui sont plus vives, donc elles grouillent de partout, et c'est des qui peuvent se reproduire par chez nous. Donc si vous en avez 2-3 qui se barrent, voilà, et elles grimpent après les parois. Tandis que les Dumbia, elles sont tellement grosses, c'est vraiment les blattes, vous savez, qu'on voit dans les films d'horreur et tout ça, là, les toutes grosses blattes, ou ceux qui vous tapent dans, comment ça s'appelle, dans Fort Boyard, qui vous tapent sur la tronche. J'ai une hantise des blattes,
Mais pour les titis, qu'est-ce qu'on fera pas, hein? Après, je les prendrai pas à la main, je pense pas. Bah, après, je vais peut-être m'y habituer, hein, parce que bon, c'est juste répugnant, parce que c'est pas dangereux. C'est un gros scarabée, un gros coléoptère, quoi. C'est pas dangereux, hein. Ça mord pas, ça pique pas, ça fait rien. Donc ouais, je vais peut-être m'habituer à les manipuler après. Il y en a dans certaines vidéos que j'ai regardées qui disent qu'avant de les donner aux animaux, faut les poudrer de calcium et tout ça. Je vais pas m'amuser à ça. Comme ils auront des protéines à manger. Je me demande même si je vais pas plutôt leur donner pas du frais parce que je peux pas, mais quand on mange du poulet, du poisson, des trucs comme ça, leur donner ça à manger pour pas qu'ils aient des croquettes pour animaux dans l'estomac quand je les donne au titi, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc vraiment la commande improbable, c'est pas du tout de la portée, pas du tout de la portée. Mais il faut ce qu'il faut pour les petits titis, donc je m'adapte, voilà. Y a un chichou, ça doit être Queenie, ça, qui écoute ce que je dis. Ah ben il y a bébé Luna en dessous aussi. Donc aujourd'hui je vais faire les cages, je filme pas, je voulais filmer et puis finalement je filme pas, je vais faire les cages. Parce que les titis, ils puent. Clairement, ils puent. Bon, je le fais pas d'un coup, hein. Là je vais nettoyer le bas. Donc leur étagère de bouffe parce qu'elle est toujours dégueulasse, et là je dois la nettoyer tous les jours. Et je vais nettoyer le fond de la cage, les grilles et tout ça. Les jouets qui sont dans le bas, comme ça dans 2-3 jours je nettoierai le haut. Changer leurs pochettes, nettoyer les jouets qui sont au-dessus et tout ça. Donc voilà. Ouais, bah, j'ai rien d'autre à vous dire. Ah, j'ai refait mes ongles aussi avant-hier. Je vous ai pas montré du coup hier. Ah, j'ai un poil, attendez. Je vois pas. Voilà, je me suis inspiré d'un réel que j'ai vu, donc je vous le mets en barre d'infos aussi. J'aime beaucoup. C'est simple. Voilà. Bon, après, on sent un peu le relief à certains endroits, pas sur tous. Ouais, quoique non, ça va. Mais comme c'est du nude avec la nicotine, ça va vite jaunir, donc je pourrais pas les garder hyper longtemps. Bon, bien que je les garde jamais très longtemps, mes ongles, en principe, c'est une semaine, et puis je zappe, j'en fais une autre. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai quand le facteur sera passé. Croisez les doigts pour qu'il y ait la roue aussi, parce que là je vais commencer à m'énerver avec ça encore et j'en ai marre de penser à cette foutue roue. J'aimerais bien qu'elle soit dans leur cage et qu'on n'en parle plus parce que ça commence à me pomper. Ouais, c'est tout. Enzo travaille aujourd'hui et demain et peut-être vendredi. Il doit aller nettoyer une maison, donc c'est en intérim. Une maison qui a brûlé, pas loin de chez nous en plus, donc c'est tout bien. Et ça avait l'air de l'intéresser. Après que ça l'intéresse ou pas, de toute façon il lui fout des sous, donc voilà. Sam, quoi, c'est les vacances, donc il profite de ses vacances, bien évidemment. Par contre, il n'y aura pas de vlog, je pense, la dernière semaine d'août, puisque Chéri est en congé, donc je vous préviens déjà, mais non, mais... Chéri est en congé toute la semaine, donc je pense que plutôt que de vous prendre, ou peut-être que je vous prendrai un minimum, même si c'est un vlog assez court, si jamais on fait quelque chose et tout ça, je ne sais pas encore, je vais voir. Après, ça va être chiant parce qu'elle va dormir toute la semaine dans le canapé, hein, je crois que vous commencez à connaître la chanson. Pas dormir. Siesté, on va dire, hein, parce qu'il se couche à 7 ou 8 heures du matin. Souvent, quand moi je me lève, lui, il se couche quand il entend. Je sais pas. On a prévu aussi avec mon beau-frère et ma belle-sœur d'aller un de ces quatre chez Primark. Mais je sais pas quand exactement. Je pense que ce sera que pour le mois prochain. Ou fin du mois, quand on a eu la paye. Je sais pas. Enfin, quoi que le 30, les filles viennent à la maison. Donc, enfin, il y aura les filles, mon frère et mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc, on pourra pas y aller le 30. Je ne sais pas. Bref.
Bon, allez, sur ce, je vous reprends quand le facteur est passé. Bon, il est 9h53, je viens de recevoir ma commande Shein, donc la première. Il me manque toujours les trois piges à short que je vous montrerai bah, quand j'aurai reçu. Hein, ça sert à rien que je fasse un haut pour tout ça. Mais toujours pas de roue en vue. Donc, je filme cette partie Shein, ma commande Shein, avec vous. Et je vais envoyer un message au gars. Je vais lui dire que s'il ne me donne pas le numéro de suivi aujourd'hui, je considérerais que le colis a été soit perdu, soit non envoyé et que j'ouvrirai un litige. Demain. Voilà pour ça. Bon, donc, du coup, j'ai commandé. Alors, je pensais pas que ça faisait autant de bruit. Je le pensais pas si grand non plus. J'ai commandé ça pour les titis. Mais je le remettrai à l'extérieur de la cage, pas dans la cage, parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit. Donc, c'est un carillon. Mais comme j'ai vu le petit pot en bois, voilà, je trouvais ça sympa. Il y a des petits poissons en bois et des petites cloches en métal qui cogne contre une bille, ou alors faudrait que j'enlève la bille. Bah, ça cogne autant, ça fait autant de bruit. Donc voilà, je trouve ça très sympa, c'est très joli et ça devrait bien leur plaire parce qu'ils peuvent se mettre dedans à l'aise. Hein, voilà, bon, pas y rester non plus, mais on va arrêter parce que ça fait du bruit. Voilà, donc je leur mettrai ça pas dans la cage. Parce que sinon, on va l'entendre toute la nuit. Alors, les strass, je vous l'avais dit, je pensais que c'était un gros pot, mais c'est un riquiqui pot. Voilà. Je vais l'ouvrir, mais je pense que je vous le mettrai de côté parce que c'est des strass que j'ai déjà mais, ailleurs. Je pensais vraiment que c'était un très gros pot avec plusieurs tailles et compagnie. Mais c'est tout riquiqui. C'est mignon, hein, mais voilà, il y a des strass comme des perles, des strass crues, il y a des plus grosses fleurs. Donc je vais le mettre de côté pour vous. Pourquoi il me fait focus sur la cage? Voilà, mais vous voyez que c'est assez petit. Mais voilà, pour mettre dans un lot du concours, c'est sympa. Alors on fera le fond de teint après parce que j'en ai commandé trois en teint de coquille. Je vais pas tous les ouvrir, mais je vais quand même en ouvrir un pour voir la teinte. Mais je vais vous montrer les trois tops que j'ai commandés. Donc c'est comme le noir que je vous avais montré la dernière fois, sauf que là j'ai pris trois couleurs différentes. Le même top. Donc j'ai d'abord pris en vert. Je sais pas si ça vous étonne. Alors c'est pas vraiment du kaki, c'est un peu vert, donc je vous rappelle que ça se croise ici au-dessus, hein, puisque moi je vous avais dit qu'il se mettait en asymétrique, mais non, il se croise. Donc là la couleur, franchement il est très beau. Très beau vert, par contre il est hyper chiffonné. La dernière fois il n'était pas comme ça. Bon après une fois porté, ça se voit plus. Hein. Je l'ai pris en rose. J'ai déjà des poils de chien sur mes paquets. Quoi. Donc pareil, la couleur est très jolie. Voilà, ça fait un peu des couleurs d'été et en turquoise. Alors je voulais le prendre en blanc aussi parce que ça fait super classe en noir. Mais comme je peux pas mettre de soutif en dessous, le blanc risque de voir les titis qui dépassent, quoi. Enfin, en transparence. Et le turquoise, il est magnifique. J'adore. Donc voilà pour ça. On va passer à un fond de teint que j'ai pris en teint de coquille. Donc c'est Shell. C'est la teinte qui me conseille par rapport au goût d'Apple que j'utilise, que Paris m'a envoyé. Je vérifie que la teinte se... Ouais, c'est bien la bonne. J'arrive pas à enlever le carton. Donc toujours le petit packaging, le petit pochon hein, qui sert à rien. Je comprends pas pourquoi ils mettent ce genre de choses. Donc c'est bien le Shell. Et on va donc voir la teinte. Alors ce que je peux vous en dire un peu plus après utilisation, bon il faut que je réutilise plus, mais voilà, il y a un peu... La teinte a l'air superbe. Il s'oxyde pas et par contre le KVD s'oxyde énormément. J'avais mélangé vu que l'autre était un peu jaune le sand.
avec un KVD qui est plus neutre, sauf que le KVD s'oxyde tellement que c'est beaucoup trop foncé. Donc voilà. Mais là, la teinte me paraît totalement géniale. Oh oui. J'ai enfin trouvé ma teinte chez Chine, pas chez Glam. Ah ouais. Oh là là, ah, j'ai pas de miroir. Je prends un piti. Je vais pas bien voir, mais. Oh, nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc j'espère qu'il ne s'oxyde pas non plus dans cette teinte-là que dans la teinte sang, mais ça m'étonnerait. Franchement, je pense qu'il va détrôner mon Catrice ou il est au moins à égalité avec mon Catrice. Là, je vais envoyer à Amy le swatch de la teinte pour lui montrer la teinte tout simplement. Et voilà. Donc, bah, écoutez, sur ce, on peut changer de jour. Moi, je vais nettoyer la cage des titis parce qu'ils viennent de remonter, se coucher. Ils ont fini de manger pour leur matin. Bon, ils vont certainement redescendre dans 1 heure, mais quoi qu'il est déjà 10 heures. Mais je vais envoyer un message au Gugus de la roue, faire la cage, et on sera déjà pas mal. Là, je regarde des vidéos sur les blattes quand même. Hein. Ouais, cherchez pas à me comprendre. Pourtant, j'ai horreur de ça. Hein. Mais voilà, il faut ce qu'il faut. Il faut aussi qu'elles soient en bonne santé pour que je puisse les donner à manger au Titi. Donc, voilà. Bon, allez, sur ce, sauf s'il se passe. Ah oui, mon colis Vinted est arrivé. Donc, je vous montrerai ça demain. Et on le crash testera. Je vous ai prévu pour le 22 un crash test nouveauté. Je ferai peut-être avant. Non, avant, j'ai autre chose à faire. Là, il faut que j'attende mes commandes pour filmer le reste. Je peux plus tourner grand-chose en avance, sauf le Disney Challenge du 27, donc qui est sur Lilo et Stitch, et les swatches de make-up Elsa et Anna, puisque là, j'ai déjà les palettes, mais j'ai déjà décalé la semaine Colourpop pour être sûr, parce que la commande ne bouge absolument pas. Donc, j'ai décalé à la dernière semaine de juillet. Mais les autres vidéos, faut que j'attende. Celle-là, je peux la faire avec mes turbopigments que j'ai déjà. Ouais, franchement, je suis un peu perdue. Je ne sais pas trop comment faire. Mais bon, de toute façon, j'ai des réels aussi à tourner. Ah, comme d'hab, j'ai l'oreille qui chatouille, hein. Et voilà, donc sur ce, sauf s'il se passe quelque chose, ensuite. Alors, il est 10h03. Je viens de terminer de tourner cette vidéo qui était un crash test de mes petites nouveautés. Donc, je vous en dis pas trop. Je voulais juste vous montrer, j'ai reçu ma commande Vinted. Enfin, hier, j'ai été chercher ma commande Vinted des deux produits Colourpop Tinkerbell. Et voilà. C'est trop beau! C'est trop beau, c'est trop beau. Donc, je les ai utilisés dans cette vidéo, le blush. Et je me suis servi de ça en highlighter et ici à l'intérieur. Le reste, je vous en dis pas plus. Vous verrez ça dans la vidéo. Je sais plus quand. Voilà, mais je suis vraiment contente. En plus, les packagings, ils sont canon, canon, canon. Donc aujourd'hui, je reçois ma commande, ma deuxième commande Maki Beauty avec les fards Constance Carole. Donc je vais pouvoir les dépoter pour compléter ma petite palette. Va juste falloir que je fasse gaffe, voir si j'ai bien compté. J'en ai recommandé 11, je crois, pour compléter cette palette-ci. Après, on va un petit peu se calmer, hein, parce que voilà, une fois que la palette sera complète, j'ai quand même celle-là, j'ai la Révolution avec Alexis Stone, qui est dans le même principe, et j'ai deux Glam Shop, donc je pense que j'ai largement de quoi faire. Surtout que je viens de voir qu'ils allaient ressortir. Apparemment, c'est pas une nouveauté, mais moi, je l'avais pas vu passer encore. Une palette de multichrome, de fard multichrome de Danessa Merrick. Est-ce que j'ai envie de l'acheter? Clairement. Est-ce que j'attends de voir le prix? Surtout. Voilà. Donc j'attends ma commande Maki Beauty. Je ne sais pas du tout à quelle heure elle va venir, puisque PostNL a noté que c'était entre 8h du matin et 9h du soir. Très précis. Là, je viens de nourrir les. Ah non, j'ai pas encore nourri les chiens, donc je vais nourrir. Laisse le chat! Oui, je vlog et puis je viens te donner.
Atchoum. Le chien a une crise d'éternuement depuis ce matin. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. T'es allergique à tes poils. On va devoir te tondre. Donc je sais plus ce que je disais et je vais attendre de voir aujourd'hui si je reçois la roue. Si je reçois pas la roue, j'envoie un message au gars parce que ça fera une semaine de délai de livraison pour que normalement ça se fait en 48 heures. Hein, Belgique-France, faut quand même pas déconner. Donc je vais pas envoyer le messagère parce que j'ai été beaucoup occupée. Oui, je viens. Aujourd'hui, là je vais passer un coup de balai en attendant et je dois faire la cage des chichous, mais ça sera après la sieste. Si sieste il y a, parce que je sais pas si je vais. Il ne va pas me laisser vlogger. Hein. Parce que comme ça, je l'ai fait sortir et je peux aspirer tranquille sans qu'il soit dans la cage. J'ai pas dit pas dans les pieds parce qu'ils seront dans mes pieds de toute façon quand j'aspire. Tu sais, attendre 2 minutes. Il ne va pas me laisser causer. Bon, je vais aller leur donner à manger et je reviens parce que sinon ils vont pas me laisser tranquille, enfin surtout gros. Donc je disais, je vais recevoir aussi les produits W7, comme ça demain je pourrais tourner le full face W7, je pourrais tourner les swatchs. Si je reçois pas ma commande trop tard, je pourrais peut-être le faire aujourd'hui. Voilà, je sais pas trop, d'habitude ils viennent vers 2h, 2h30, mais des fois c'est tard. J'ai mal à l'estomac. J'ai bu trop de café et je viens d'aller m'en servir. Sinon, je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Oui, ce qui m'étonne, c'est ma commande Shein, ma deuxième, avec les pyjamas shorts. Je l'ai commandée en même temps que l'autre. L'autre, j'ai eu hier. Et la deuxième, elle n'a pas l'air de bouger. Donc, c'est un peu chelou. Bon, après, c'est pas n'importe, c'est pas urgent, mais voilà. Et par contre, ce que je comprends pas, c'est je viens de recevoir un mail du site où j'ai commandé les blattes pour dire que de Bipost en fait, pour dire qu'ils avaient déjà créé l'étiquette pour mon colis. Mais j'ai commandé donc hier ou avant-hier ? Avant-hier soir, je crois. Ouais, avant-hier. Et sur le site, c'est marqué que en fait, il faut procéder au paiement, donc à la commande et au paiement avant le dimanche 10h pour le jeudi d'après, pour être expédié, pour que ce soit expédié le jeudi de la semaine. Que si c'est après le dimanche 10h, c'est le jeudi suivant. Et là, apparemment, ils vont nous expédier aujourd'hui. Donc je suis pas dans la merde parce qu'il faut que je prépare la caisse. Chose que je n'ai pas encore faite. Parce que c'est en 24 heures normalement. Donc ce sera, soit je les aurai demain, s'ils les envoient bien aujourd'hui. Hein. Après, ils ont peut-être préparé l'étiquette pour jeudi prochain, mais ça m'étonnerait. Ça me paraît extrêmement long. Parce que eux ne gardent pas les insectes chez eux. Apparemment, ils les commandent eux quelque part pour vous les renvoyer. Donc voilà, si je savais où ils les commandent, je les aurais commandés directement là-bas. Mais bon. Après, je les paye quand même moins cher. Hier, on a été au Tom & Co. pour essayer de trouver des verres de farine pour les titis. Il n'y en avait plus. Il restait plus que des grillons, donc je me suis dit, je vais prendre au pire une boîte de petits grillons de taille moyenne pour en attendant de recevoir ceux que j'ai commandés sur le site là. Mais ils étaient tous en train de crever, quoi, les uns sur les autres. Donc j'ai dit, tant qu'à faire, j'ai déjà pas envie de leur donner des grillons, alors je ne vais pas en plus prendre dès qu'ils sont crevés. Hein. Donc si jamais je recevrais la commande demain, ça m'arrangerait. Bien que j'arrive à aller chercher une boîte tout à l'heure après le boulot. Que je sais pas du tout si je vais l'avoir demain ou pas. Si maintenant je l'ai demain, je vais dire qu'il n'aille pas les chercher. Je vais attendre de voir avant que chérie ne finisse le boulot, voir si le suivi bouge un peu. Mais bon, j'ai pas envie de tomber à court non plus. Bon, après, j'ai vu qu'on pouvait les mettre au frigo. Alors, c'est un peu chelou, les verres de farine, hein, je parle. C'est un peu chelou parce qu'ils disent qu'on peut les mettre au frigo, mais sur un autre site, j'ai lu qu'ils avaient besoin de lumière. Dans le frigo, ils n'ont pas la lumière parce qu'elle s'allume que quand on ouvre la porte. Bon, après, c'est vrai que vu que c'est les congés, ça m'ouvre très souvent la porte du frigo. Donc, on verra bien. Là, je vais déjà attendre de voir le facteur s'il m'amène la roue. Parce que,
L'autre qui me dit qu'il ne sait pas me donner le numéro de suivi parce qu'il est en déplacement, patati patata. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, sois pro jusqu'au bout, quoi. Déjà que j'ai attendu un mois pour que tu te décides à l'envoyer, soi-disant, que je ne sais pas si elle est vraiment envoyée ou pas, hein, du coup. Donc, voilà, bref. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour l'instant. Si jamais je reçois quelque chose en dehors de ma commande Balik Beauty, je vous reprends. Sinon, la journée va pas être passionnante. Donc, on peut déjà switcher deux jours. J'ai pas vlogué mardi, mais j'étais déjà quand même à 47 minutes de vlog hier. Donc, je pense que ça va. Il sera pas trop court celui-là, je pense pas. Bon, allez, sur ce, soit je vous reprends tout à l'heure, soit ensuite je joue. Ah, il faut que je fasse tourner ma machine aussi. Bon, il est midi, je vais aller bouffer et à la sieste, je vais essayer de clôturer ce vlog avec le peu de batterie qui me reste. On croise les doigts, je suis pas sûre d'y arriver. Donc, je viens de tourner les swatchs de la deuxième partie, vu que j'ai terminé ma palette de fards Constance Carole, pas terminé. On manque un, j'ai mal compté. Il y a un trou. Donc, j'essaie de voir si le Urban Decay passe dedans. Comme ça, ça me fait un mono en moins. J'ai le Carla Cosmétique aussi, que je peux à la limite mettre, mais je crois qu'ils sont plus larges. Donc, voilà pour ça. J'ai reçu ma petite commande Shein avec mes trois pyjamas shorts. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Si ça coupe, je reprendrai après. Donc, le premier que j'ai pris, je vous affiche les prix comme d'habitude, j'ai essayé de vous mettre les liens en barre d'infos. C'est un petit top en teinte un peu nude camel, comme ça. Donc, c'est un petit top style brassière, hein. C'est court, mais bon. J'ai pris ça pour traîner à la maison. C'est une texture coutelée, comme ça. Je ne sais plus en quelle taille je les ai pris. C'est quelle est la taille? Il n'y a pas de taille. Je les ai pris en M pour être à l'aise. Mais voilà, donc vous avez la petite brassière comme ça et le petit short. C'est qu'il est l'envers, il est droit. Le petit short comme ça, donc c'est hyper fluide, c'est un peu épais, mais c'est très fluide. Il n'y a pas de poche, une grosse ceinture, donc au moins je ne le perdrai pas, même s'il est un peu large. Voilà pour le premier. Le deuxième, c'est Chine qui me l'a conseillé. J'étais obligée de le prendre. C'est un t-shirt. C'est des couronnes. Donc il est rose poudré, un peu vieux rose, comme ça, je sais pas trop, avec des couronnes blanches, noires. Il y a plein de couronnes dessus. Donc j'ai tout pris en M. Et voilà le petit short. Donc ça c'est plus léger, hein, puis c'est un t-shirt, ça change d'étape. Voilà, donc j'ai hâte qu'il fasse chaud. Et en plus il y avait le petit masque pour faire dodo. C'est pas trop mignon, donc moi j'utiliserai pas, hein, parce que voilà, j'en ai un autre beaucoup plus épais, mais je vais vous le mettre de côté pour un concours. Et le dernier que j'ai pris pour avoir les frais de port gratuits, ça m'a fait penser à Amy en plus, c'est avec des avocats, mais j'ai trouvé mignon pour qu'il me l'a montré. Donc vous avez le petit short avec des avocats. Voilà, des entiers et des demi. Donc ça, c'est très, très, très léger, mais c'est très bien pour quand il fera chaud. Et un t-shirt court avec un avocat qui a une couronne. Quand même. Donc voilà. En plus, la couleur est géniale. C'est un top court. Moi, j'aime bien le court. Hein. Et voilà pour ça. Il est trop mignon. Donc, c'est du flocage. Hein. Bien penser à le nettoyer à l'envers. Le flocage de Chine, si vous le lavez bien à l'envers, franchement, il tient très longtemps. Alors, je vais vite vous donner le planingue de la semaine prochaine. Donc, lundi, des idées de make-up avec les turbo-pigments, que ce soit chez Glam, Constance Carole ou Glam Shop. Mercredi, la Queen des papillons, enfin, j'ai envie de vous dire. Vendredi, crash test mes derniers petits achats et dimanche donc le vlog. Voilà pour le programme et je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Si, je viens d'envoyer un message au gars de la roue là parce que je l'ai toujours pas reçu, donc je lui ai quand même dit qu'un mois de délai c'était énorme, hein, je reçois mes colis de Chine beaucoup plus rapidement.
Donc là, j'attends qu'il me réponde, voir s'il sait me donner un numéro de suivi. Sinon, je lui ai dit que j'attendrai jusque mardi, début d'après-midi, puisque le facteur vient vers 10h30, 11h. Et que sinon, qu'il me rembourse, quoi, et que j'aille en acheter une ailleurs, parce que là, faut quand même pas déconner. Voilà, voilà. J'en reçois pas les blattes aujourd'hui, donc ils ont juste préparé le truc, donc on fera ça ensemble la semaine prochaine. Enfin, je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Ils vont les envoyer jeudi, je sais pas si je les aurai vendredi. De toute façon, je vous montrerai ça dans le vlog prochain, si jamais. Là, je vais préparer la caisse quand même avec Chérie ce soir, tranquille. Si jamais je recevrai avant, ça m'étonnerait. Et voilà, mon frère est passé hier. Demain soir, on va manger chez ma mère. Donc, c'est tout. Donc, bah, je vais clôturer là. Ça sera la clôture rapide, mais ça clignote, ça clignote, ça clignote. Jusqu'à ce que ça va s'éteindre, et ça, c'est pas bien. Donc, n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc de toute façon demain. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous.